Si Jean-Philippe Rameau était allemand, on le trouverait peut-être supérieur à Bach, avait dit de lui le chef d'orchestre Arthur Nikisch. Mais Jean-Philippe Rameau était français, et c'est à Dijon qu'il naquit en 1683. Alors que la capitale des ducs de Bourgogne célèbre le 250e anniversaire de sa mort, d'autres villes, comme Versailles, rendent également hommage au grand compositeur. À Dijon, c'est Thierry Kans, trompettiste renommé, qui nous parlera du flash mob musical qu'il organise avec l'hymne à la nuit inspiré de Rameau. Mais qu'est-ce que c'est un flash mob ? Un flash mob, c'est une réunion de musiciens instantanée, éphémère. On ne répète pas, ce sont des amateurs, des professionnels. Ici, toutes les forces vives de la région dijonnaise seront réunies pour le flash mob de Rameau. Vous êtes prêts ? 3, 4 ! En marge du flash mob, Thierry Kans s'entretiendra avec Eliane Lochaud, conservateur en chef des archives municipales de Dijon, responsable de l'exposition consacrée à Rameau. À Versailles, nous irons à la rencontre de Patrick Florentin, président de la Société Rameau, et de Christophe Thomet, conservateur en chef du patrimoine à la bibliothèque municipale et organisateur de l'exposition versaillaise. Enfin, nous croiserons, toujours à Versailles, Olivier Schnebelli, chef d'orchestre, en pleine répétition au Centre de musique baroque. Mais revenons à Dijon, où Eliane Lochaud et Thierry Kans se dirigent ensemble vers la maison natale de Jean-Philippe Rameau. Voilà, c'est effectivement là qu'est né Jean-Philippe Rameau. La plaque en témoigne. Ici est né le 25 septembre 1683 Jean-Philippe Rameau. Et bien entendu, il est baptisé juste en face, dans l'église Saint-Étienne. Que nous voyons là sur notre côté droit. C'est bien celle-là où son père était organiste, c'est là où son père était organiste. C'est magnifique, il n'a pas eu beaucoup de voyages à faire. Alors. Jean-Philippe est né dans un milieu musical, mais c'est sans doute son père qui a été son premier professeur. Il était beaucoup autodidacte quand même, c'est ça, hein. Oui, je le crois. Oui, ça expliquerait presque même sa façon d'écrire, hein, la musique, qui n'est pas facile à écrire. Oui, bien sûr. En tout cas, il a très peu fréquenté le collège. On dit qu'il a été au collège des Gaudrans, mais nous savons que dès l'âge de 16 ans, il était déjà un joueur d'instrument, comme on disait alors. Un violoniste ou un claveciniste, alors? Sans doute plutôt claveciniste. C'est ça, oui. Et quand on compose et joue de cette manière pour le clavecin, il peut arriver qu'on rêve un jour, passant par cette rue qui ne s'appelle pas encore rue Rameau, de remonter plutôt les Champs-Élysées. Donc il est monté à Paris pour la gloire. Alors il est monté à Paris pour la gloire, mais cela ne s'est pas passé très rapidement. Vous le savez, il a quitté Dijon à l'âge de 18 ans, il est parti un petit peu en Italie, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait en Italie. Il est ensuite passé dans différentes villes, je ne vais pas tout énumérer, mais Avignon, Clermont, il est premier séjour à Paris, qui est un relatif échec, il n'y rencontre pas la gloire attendue. Il revient à Dijon, il va à Lyon, à Clermont, et c'est en 1723 seulement qu'il s'établit définitivement à Paris, où là, effectivement, il connaîtra la gloire. Il a joué de l'orgue dans toutes ces villes. Il jouait de l'orgue. Il était engagé. Oui, il était engagé comme organiste. Je pense que le passage de l'Italie, même si on n'arrive pas à quantifier, a été très important pour son style d'écriture. Il y a quelque chose de très italien dans l'écriture de Rameau. Et c'est dommage qu'on n'ait pas de traces, parce qu'il a dû rencontrer les grands compositeurs du moment là-bas. Bien sûr, et il a sans doute aussi rencontré les airs italiens joués dans les salons dijonnais, hein, puisque beaucoup de nobles dijonnais faisaient déjà le voyage en Italie, ouais. Et ramenaient ces airs et les faisaient jouer à Dijon. On en a des preuves, c'est absolument certain. Même si les moyens de transport n'étaient pas aussi faciles que maintenant. Au même moment, à Versailles, Patrick Florentin rejoint la bibliothèque municipale où le maître des lieux, Christophe Thomet, l'y accueille. Lieu prestigieux que cet ancien hôtel des affaires étrangères et de la marine de Louis XV, où, du sol au plafond, s'alignent des ouvrages contenus sous leurs yeux les membres de la famille royale et dont certains même portent le cachet de Louis XIV, qui n'était pas seulement un roi soleil, mais aussi un lecteur éclairé. Mais l'intérêt de Patrick Florentin est aussi éveillé par des tableaux représentant ici Voltaire à 24 ans, peint par Nicolas de l'Argilière, là Louis XV en majesté, là encore Thérèse de Haye, claveciniste et élève de Rameau, épouse d'Alexandre le Riche de la Pouplinière, mécène, dont l'aide fut décisive pour Rameau sur le chemin de la réussite. Rameau va bénéficier d'un logis tout à fait prestigieux et d'un orchestre privé que la Pouplinière va mettre à sa disposition. Il va pouvoir écrire ses premières œuvres destinées à l'Académie royale de musique.
Puis, tout en continuant à côtoyer la Popinière, Rameau va devenir compositeur de la musique et de la chambre du roi. Je crois que nous sommes en 1745, qui est une année toute particulière dans sa carrière. Exactement, tout à fait, Christophe. Il se trouve que le fils de Louis XV va épouser Marie-Thérèse d'Espagne, et pour cela, Louis XV va demander à Rameau différentes œuvres qu'il va écrire à l'occasion, dont Platée et la princesse de Navarre. Il va écrire ses œuvres notamment avec Voltaire, qui est un ami de toujours. Et donc Rameau va être propulsé comme le compositeur officiel de la cour et celui sur qui la musique française va reposer en ce qui concerne les opéras. Rameau va continuer jusqu'à la fin de sa vie à écrire des opéras, à publier des traités, à répondre aux auteurs de l'encyclopédie pour faire triompher son système musical. On a affaire à un compositeur complet, à la fois savant et puis novateur en ce qui concerne la musique. Hippolyte et Aricy, les Indes galantes, et combien d'autres tragédies lyriques et opéras balèzes encore, dont le Centre national de costumes de scène de Moulins conserve les souvenirs, jetés ici sur les épaules de mannequins à qui il ne manque que la musique de Rameau pour retrouver la ronde de la vie. À quelques centaines de mètres de la bibliothèque municipale, le Centre de musique baroque de Versailles nous ouvre ses portes. De l'autre côté de cette cour intérieure s'élevait le bâtiment aujourd'hui disparu qui abrita les états généraux de 1789. Des pavés rappellent la disposition de cette salle historique. Les jeunes chanteurs y jouent aujourd'hui au ballon prisonnier, avant de rejoindre les pages et les musiciens pour la répétition du Requiem Aeternam, une œuvre inspirée de Jean-Philippe Rameau, dirigée par Olivier Schnebelli. Chanter avec Eugénie, transparentissime, il ne me quittait pas des yeux, et je rappelle aux pages qu'il faut toujours précéder mon geste. Si vous avez l'impression d'être avec moi, c'est que vous êtes derrière. D'accord ? C'est-à-dire lâcher un tout petit peu la blanche pointée. Même chose. Un et deux et. Le chef d'orchestre travaille ici à l'exécution d'une messe des morts dont l'origine est mystérieuse. Elle n'est pas de Rameau, mais rappelle son style d'écriture en de très nombreux endroits. Le compositeur ayant, pour écrire cette œuvre religieuse, puisé abondamment dans Castor et Pollux de Rameau. Opéra parfaitement profane. Oui. Voilà, ferme. Ce qui est très joli, c'est d'avoir ce triolet qui s'imbrique bien dans les croches qui, elles, ne sont pas en triolet. Donc vraiment, détaille-le bien. Plus rien.
On n'arrête plus Eliane Lochaud et Thierry Kans, tous deux partis à la rencontre d'un tableau partout reproduit, mais dont le musée des Beaux-Arts de Dijon conserve le précieux original. Nous voici devant le portrait officiel de Jean-Philippe Rameau. C'est un tableau qui a été donné à la ville de Dijon au début du 19e siècle. Et l'on voit un personnage qui, curieusement, hein, vous allez me le dire, oui, en l'observant. C'est la présence d'un violon au lieu d'un clavecin. Voilà, c'est une première source d'étonnement, oui. Effectivement. Oui. Et puis nous voyons aussi son regard noir, on peut le dire. Hein. Alors on peut penser que peut-être les Rameau avaient effectivement un mauvais caractère. Il n'a pas l'air commun, effectivement. Mais il paraît que sur son lit de mort, il critiquait le prêtre qui chantait faux. Ça, on sait qu'il n'était pas d'un caractère facile. Oui, c'est ce que l'on a toujours dit. La famille Rameau est une famille bourrue, à tout le moins bourrue. Pour un bourguignon, c'est assez cohérent. Hein. Et pendant que les uns et les autres se détendent et même se restaurent, profitons de ce moment pour demander à Olivier Schnebeli comment cette œuvre est venue jusqu'à lui, quel est son style musical et d'abord, qui en est l'auteur. D'abord, c'est une œuvre anonyme, c'est-à-dire que à l'époque, le Castor et Pollux, c'est l'opéra le plus célèbre de Rameau. Et il y a eu énormément d'adaptations à l'époque d'opéra de Rameau, on a fait des pastiches, on a trouvé cette œuvre dans un fond, complètement dans un tiroir à la Bibliothèque nationale, dans un fond. Tout à coup, il y a, disons, un ou deux feuillets qui sont sortis et les chercheurs qui travaillent chez nous ont trouvé cette œuvre et se sont dit, mais c'est quand même bizarre ce requiem qui est construit principalement sur les thèmes, je dirais, les airs les plus célèbres, les tubes de Castor et Pollux. Et on s'est d'ailleurs rendu compte que cette œuvre, non seulement emprunte ces thèmes à Castor et Pollux de Rameau, mais aussi à l'opéra le plus célèbre de son grand rival, qui était Joseph Cassanea de Mondonville, à savoir les Fêtes de Paphos. Et donc c'est à partir de ces deux œuvres que le compositeur, dont on ignore le nom, a composé ce requiem. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la transmission de ces musiques, c'est d'abord, primo le parole, dopo la musica, c'est-à-dire d'abord le texte, après la musique. Et c'est à partir des textes et de la façon dont le compositeur a adapté ses textes d'opéra à des textes finalement religieux que ça m'a intéressé. C'est avant tout un discours rhétorique qui est là pour à la fois charmer, émouvoir, convaincre. Et voilà, notre rôle, c'est de charmer, émouvoir, convaincre. Il eut bien raison, ce compositeur anonyme dont la musique accompagne notre retour à la bibliothèque de Versailles, de s'inspirer autant de Rameau. Car s'inspirer, c'est rendre hommage. S'il n'avait tenu que de lui, la postérité de Rameau eût été un long fleuve tranquille vers la gloire. Mais il n'en fut rien. Rameau va disparaître progressivement du 19e siècle, puisque son dernier opéra, donc tu as cité Castor et Pollux, sera joué jusqu'en 1785. Et après, Rameau va disparaître de la scène lyrique, jusqu'au début du XXe siècle seulement. Et il me semble qu'il y a un événement historique important qui va favoriser la redécouverte de Rameau. Oui, la guerre de 1870
Je crois savoir que les compositeurs allemands règnent en maître sur le monde musical européen à l'époque. Avec Wagner. Et puis, absolument, ou un peu plus ancien Bach par exemple, mais qui, à l'occasion de la guerre de 70 et du désastre de Sedan, se retrouve du mauvais côté de la frontière. Il est donc question, je crois, de redécouvrir des talents musicaux français, proprement français, susceptibles de faire pièce à ces talents allemands, qui, ma foi, ne sont plus éligibles en quelque sorte. Et en fait, c'est Dijon qui est à l'origine de la découverte de Rameau, puisque pour le centenaire de sa mort, en 1864, Charles Poiseau, un Dijonnais, a voulu ériger une statue de Rameau dans sa ville natale. Il mettra beaucoup de temps pour obtenir un tel résultat, puisque la statue ne sera inaugurée qu'en 1876. Et c'est à ce moment-là que Saint-Saëns, Debussy, Dindy, Ducas vont être intéressés par l'œuvre de Rameau et vont lancer l'édition monumentale des œuvres de Rameau, qui vont permettre ensuite, début XXe siècle, à la redécouverte des opéras de Rameau sur la scène de l'Opéra de Paris, avec Hippolyte Arici et Castor et Pollux qu'on retrouve. Et c'est vraiment le mouvement baroque qui va ensuite être déclenché vers les années 1970, où Rameau va être joué sur des instruments anciens, cette fois-ci, avec le style proche de ce qu'il avait pu écrire à l'époque, et qui vont finalement faire connaître au public sa musique. Et si le public refuse d'entendre Rameau, il pourra toujours le goûter. Ça, c'est le clou de l'exposition. Absolument, ce clavecin donc, que l'on doit au facteur d'instruments Pierre Donzelag, qu'il a réalisé à Lyon en 1716, et qui est sans doute doublement lié à l'histoire de Rameau, dans la mesure où Rameau se trouve à Lyon entre 1713 et 1715, se lie d'amitié avec Donzelag, et on peut supputer qu'ils ont échangé des vues sur la conception de cet instrument, qui est tout à fait novatrice pour l'époque, dans la mesure où cet instrument compte 61 notes et non pas 54 comme les instruments contemporains. Et on a la chance, Christophe, d'avoir un hommage à Rameau avec son médaillon qui domine tous les autres compositeurs, y compris Boccherini, qui fait penser que cette toile est de...